J'y reviens régulièrement, mais je connais aujourd'hui pas tous les quartiers. La ville a beaucoup changé. Elle s'est encore embellie par rapport à l'époque où j'y vivais. Donc je connais pas tout, mais oui, ça, les noms m'évoquent forcément quelque chose. Oui. Bah forcément bien les Angevins, hein, et les Angevines aussi. S'est intéressé un peu à nos problèmes. Par exemple, pour notre projet d'Agorae qui serait d'ouvrir une épicerie solidaire à l'attention des étudiants, ce serait possible qu'elle devienne marraine de ce projet. Bah pour Angers, je crois que c'est d'abord important parce que c'est une citoyenne qui a vécu à Angers. Angers, elle l'a dit, est dans son cœur. Et c'est aussi ce que nous évertuons à faire, c'est-à-dire à rassembler les Angevins qui ont des responsabilités pour valoriser notre ville.